Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de réaliser une carte à émotions, d'accompagner votre enfant à réaliser la sienne. L'objectif, c'est véritablement de l'aider à verbaliser et à comprendre et à dessiner les différentes émotions que nous pouvons ressentir. Ça vous permettra par la suite de vraiment l'aider à différencier ce qui est du domaine du cœur, du ressenti, de ce qui est du domaine du corps, du senti et de ce qui est du domaine de la pensée. Accompagnez votre enfant à trouver au moins les quatre émotions principales que sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Mais n'hésitez pas à le laisser exprimer tous les autres degrés d'émotion qu'il pourrait trouver, comme vous allez voir dans ce que nous avons vécu en famille. Je vous propose pour les plus petits, de laisser simplement l'enfant dessiner ses émotions, ce qu'il a envie d'exprimer, de l'accompagner pour mieux comprendre ce que veut dire chaque émotion, si besoin. Et puis pour les plus grands, vous pouvez les laisser lister par écrit leurs émotions, et puis ensuite réaliser à leur manière, avec leur couleur, leur style, la façon dont ils ont envie de représenter les différentes émotions. Puis vous garderez cette carte pour pouvoir ensuite verbaliser, tiens mais là, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et puis ensuite d'ouvrir le dialogue sur ce qui pourrait lui faire du bien ou sur le fait que ce que vous venez de faire, de vivre, si c'est un exercice vitose, ah bah oui, ça fait vraiment du bien. Il y a quoi comme émotion, par exemple? La tristesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme émotion? La joie. C'est quoi celui-là? La jalousie. La jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie? Il regarde quelqu'un là. Et ça, c'est son œil, il est un peu fâché. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on est jaloux? Ça veut dire qu'il y en a un qui a une chose et il y a un autre qui veut la chose, donc il est jaloux. Et quand on est jaloux, du coup, on se sent comment? On se sent un peu triste, un petit peu fâché contre l'autre. Alors ça, c'est une autre émotion, fâché. Fâché, ça va être une drôle de tête, je pense. Non, ça c'est la colère. Ça c'est la colère. Quand tu as fait un bon exercice vitose, que tu te sens détendu. Ah, comment c'est? Non, paisible. Paisible, d'accord. Par exemple, un gros lion qui nous arrive dessus. On a peur. Oui, vas-y. Ça fait comment dans notre corps, la peur? Parfois, moi, quand j'ai peur, j'entends des glouk-glouk dans mon ventre. Et puis, on a envie de... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Crier. Crier, quand on a peur, oui. Il pense quelque chose. Ça, c'est son papa. Et ça, c'est lui. Il pense que son papa, il a envie de lui faire un câlin. Ça, il pense quand son papa l'aime très fort. Tu me montres comment tu fais un cœur pour montrer qu'on ressent de l'amour. Waouh, voilà, super, ça c'est ta carte à émotions. On verra si on en trouve d'autres, hein? Est-ce que tu as envie de leur mettre des couleurs? Expérimentez en famille, explorez et n'hésitez pas à nous partager comment ça s'est passé pour vous. À bientôt.